vos relations et ce qu'elles impliquent. Nous sommes prêts à vous aider tous sur la terre, car nous savons que la relation entre celui qui aide et celui qui est aidé est importante dans cet univers. Nous jouons le rôle d'aidant et vous faites l'expérience d'être aidé. Et c'est pourquoi nous avons établi cette relation avec vous tous et pour vous tous, et vous pouvez considérer toutes vos relations dans la vie de la même manière. Chaque personne qui interagit avec une autre joue un rôle. Peut-être jouez-vous le rôle de quelqu'un qui encourage quelqu'un d'autre, ou peut-être jouez-vous le rôle de quelqu'un qui vit dans l'abondance et qui est généreux envers quelqu'un qui est dans le besoin, parce qu'il vit dans le manque. Vous avez toujours le choix de la façon dont vous considérez les différentes relations de votre vie, mais une chose est sûre. Vous avez choisi ces personnes et vous avez choisi les relations que vous entretenez les uns avec les autres. Les raisons seront nombreuses, mais toutes peuvent potentiellement conduire à une plus grande croissance spirituelle, à un plus grand progrès de la conscience humaine, à une plus grande expansion de qui vous êtes vraiment en tant qu'être de l'énergie source. Et encore une fois, tout dépend de la façon dont vous considérez ces relations, et vous pouvez alors choisir la façon dont vous vous vivez dans cette relation, au lieu de jouer le rôle que vous pensez devoir jouer. Écoutez les conseils qui vous viennent de l'intérieur, parce qu'ils savent toujours mieux que vous, et nous vous aiderons aussi, parce que c'est notre rôle et que nous aimons le jouer. Nous choisissons de venir à vous à partir de l'amour inconditionnel, parce que c'est ce que nous ressentons le mieux. Nous vous aimons inconditionnellement, et nous savons que les gens reçoivent consciemment cet amour ou non, notre amour inconditionnel a un impact sur la totalité de la conscience collective humaine. Et c'est vraiment ce que nous sommes venus aider en ce moment. Nous vivons une période de grands changements, de grande illumination et de plus grande prise de conscience. Cette conscience vous vient de vos expériences, mais vous avez aussi la possibilité de choisir ce dont vous êtes conscient à chaque instant. Choisissez l'amour, choisissez l'expansion, choisissez de mieux vous connaître tel que vous êtes vraiment plutôt que de juger quelqu'un d'autre pour le rôle qu'il a accepté de jouer pour vous, quel qu'il soit, quelle que soit sa qualité. Laissez-vous aller à ce qui est naturel, c'est-à-dire au flux d'énergie qui vous amène à des niveaux de conscience de plus en plus élevés, ces niveaux de conscience étant inévitables, bien sûr. Mais lorsque vous les choisissez, lorsque vous choisissez de surfer sur la vague de cette énergie, alors vous vous sentez plus connecté à la source, à l'amour inconditionnel, à l'essence de votre véritable âme. Et c'est pour cela que vous êtes venu, en plus d'explorer ces différentes relations et la façon dont elles peuvent toutes être vécues par vous et par tous les autres. Nous aimons notre rôle d'aide et nous aimons voir un ou plusieurs d'entre vous s'ouvrir pour recevoir notre aide. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons aimé nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre.